Comment c'est divers, Bex? J'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo dégustation à la Zuckery 78, comme j'avais mis dans le titre. Donc voilà, donc regardez-moi ça, les gars. Bonne petite dégustation à la Zuckery. Moi, je vais pas faire comme lui. Pourquoi j'ai une casquette? Parce que regardez, les cheveux que j'ai, je suis pas coiffé. Voilà, il n'y a rien. Oh là, non. La sauce sur les frites, putain. Wow. Et puis on a aussi la petite bouteille de coca. Et puis bah, à tout de suite. Parce que là, les gars, regardez-moi ça, ce kebab. Oh, et depuis que j'ai bien là. Voilà, on fait comme ça. Ouais, depuis que j'ai un trépied, c'est bon, là on peut faire des vidéos. Ouais, de ouf. Là, vous pouvez bien me regarder. Voilà. Regardez, je mets juste un petit peu la caméra ici. Et regardez tout, on voit même ma tête, on voit tout ce qu'il y a. Il n'y a pas besoin d'avoir de difficultés. Allez. Okay. Oh putain, j'avais super soif. Là j'ai essayé de trouver mon aimant, mais j'arrivais pas à trouver. Voilà, j'ai plus rien à dire. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous. Et puis quand vous êtes abonné, activez la grosse cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Allez, bref, et puis likez, commentez, partagez, voilà. Putain, la sauce, Attendez, je vais juste prendre un truc à tout de suite. Non, en fait, il y avait ma soeur qui est venue, je suis désolé. Elle a pris son nounours, je sais pas pourquoi. Elle est venue dans ma chambre comme ça. Putain, bonne dégustation, allez. Oh putain, elle est frites, les gars, c'est waouh. Regardez, ça vous donne envie. En tout, ça m'a coûté 7 euros le grec plus les frites, putain, c'est pas cher. En plus, il met beaucoup de sauce, ce gars. Allez. On passe au kebab. Putain. En plus, les gars, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo dégustation. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont redemandé de faire des vidéos dégustation. Et ben, voilà. Donc, je reviens avec mes vidéos dégustation. Voilà. Même au collège, il le dit. Ouais, du Verbex refait des vidéos. Dégustation, tout ça. Fais des dégustations avec l'autre Enzo. Là, je mettrai sa chaîne en description. Comme d'habitude. Ouais, fais ci, fais ça. Fais des vidéos pêche à l'aimant. Toujours raison. Bah, vous savez quoi, les gars? Je ferai des vidéos là-dessus. Ah. T'as beaucoup de là. Il est tout frais. Putain. Un bon kebab. Miaou. Miaou, comme il fait TK. Miaou. Oh. Ah, trop bientôt je ferai de l'ASMR, les potos. Dégustation ASMR kebab. Oh, désolé. Wow.
Oh, désolé si je rôde. J'avais vraiment envie. Écoute, là, j'ai faim. Ça fait depuis midi que j'ai pu manger. En plus, j'ai fait des travaux dans ma chambre. Pour YouTube. Enfin, j'ai juste remis le papier peint. Mais rien d'autre. En plus, il est là. On le voit. Ah. Putain, la vidéo, elle va faire au moins 16 minutes. Putain, bonne vidéo de dégustation. On va essayer de tout bouffer ensemble. Regardez. Une fois, je vais faire une dégustation Burger King. Pour le burger mystère ou je sais plus quoi. Je pense que je vais la faire la semaine prochaine ou la semaine d'après, suivant mes moyens. Désolé si le micro. Si je regarderai au montage, je vais voir si le micro il a eu un petit problème. Mais c'est normal si vous entendez moins ou qu'il y a des petits défauts. C'est parce que j'ai perdu. Oh putain. L'espèce de mousse là qui protégeait pour les vents ou. Ouais. J'ai toujours le micro, mais j'ai perdu la mousse. Ouais, c'est de la mousse. Ouais. Ah, moi j'appelle ça une mousse, voilà. Putain. Je sais pas si vous faites, vous d'abord vous mangez les frites et après vous mangez le kebab, c'est ce que je fais moi. Je sais pas, j'ai un problème avec ça. Vous savez quoi? Je mange le plus mauvais. Les frites j'adore, hein. Mais je mange le plus mauvais. Mais après je mange ce qui est le plus bon. C'est parce qu'il y a de la viande, mais... Je suis con. Waouh. Waouh. Eh putain, dans 6 ans, je vais me ressembler à TK. Et je trouve que TK, il est pas si gros que ça. Je trouve qu'il a maigri depuis. Dites-moi dans les commentaires s'il a maigri. Mais il faut pas juger sur le physique des gens. Parce que ça baisse toujours. Et en fond de TK, au fond de TK, je veux dire, ça doit le blesser. Et voilà. Il le dit pas en caméra. Face cam, mais je veux dire. Il en ramasse pas la gueule. Quoi. Là, si vous voulez savoir mon poids, j'ai fait 1m73 pour 69 kg. Putain.
tu vois le kebab qui est juste, oh là là, qui est juste ici, ça vous donne envie. Les gars, je voulais vous poser une question. Je ferai une fois des vidéos une heure, faire dire à Kotaga pendant une heure, vous voyez, un peu comme Semsem, Jemjem plutôt. Je sais pas si vous connaissez. C'est un youtubeur, il fait des vidéos des filles 10 heures. Lui c'est. Waouh. Par contre là j'habite. Allez, on a déjà tout bouffé les frites. C'est une preuve. Putain. Il nous reste que ça en coca, parce que j'ai tellement bu. Putain, tu prends ça. Là, putain. Waouh. Putain, j'ai avalé d'un coup sec. Ça, c'est mal à la gorge. Vous me demandez pourquoi je sors des vidéos samedi, dimanche et lundi? C'est parce que je sors ces vidéos-là bah, plutôt vers le week-end, des débuts de semaine. Voilà. J'ai terminé. Oh merde. Putain, c'était super bon. Un truc de ouf. Bon, allez les gars. C'est la fin de cette vidéo. En espérant que cette vidéo vous a plu. Donc, comme d'habitude les gars, abonnez-vous. C'est très important si un jour je pourrais avoir au moins 5 000, 10 000, 20 000 abonnés. Je serais extrêmement content. Voilà. Allez, bref. Likez aussi cette vidéo, c'est très important. Et commentez, partagez. Allez. Je vous dis à la prochaine, c'était Divermex. Allez, ciao, ciao!